fille, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens pour une vidéo box. Alors, je suis un peu en retard pour le présenter. Je vais bientôt recevoir la prochaine. Celle-ci, c'est celle du mois de novembre, la Crazy Box. En fait, j'avais vu quelques vidéos. C'est la deuxième, je pense, ici. Et moi, j'avais pas vu la première. J'ai regardé par la suite. J'ai vu des vidéos qui en parlaient. Et c'est une nouvelle box make-up. Et en plus, elle n'est pas chère du tout. C'est une des moins chères, parce que avant je commandais Ray Cosmetics US, mais la box elle revenait à plus de 35 euros. Elle était tout le temps en retard, en retard, en retard, et puis au final c'est pas si terrible que ça, quoi. Beautiful Box, j'aime bien, je commande de temps en temps, mais c'est à peu près les mêmes articles, mais bon, c'est pas mal. Mais celle-ci elle change un peu parce que c'est vraiment varié. Donc je vais vous montrer. C'est celle du mois de novembre, je vais avoir la prochaine bientôt, je vous la filmerai. On a même des descriptifs des produits, comment s'en servir, etc. La BB Nude du mois, l'objet make-up non identifié du mois, le BB Blush, ça c'est pas mal, on a des fiches explicatives. C'est la Lucky Box. Ah, le mois de novembre, il faut le reconnaître. Entre l'intensité lumineuse qui diminue et les jours qui raccourcissent, le moral est en berne. Tout comme notre belle énergie mine, notre mine peine à rester aussi fraîche. Qu'en été, les petits défauts refont surface, les cernes se creusent et notre teint se voile. Quel programme nous direz-vous? Diriez-vous? Pas de panique, on vous a concocté une box pleine de lumière, d'éclat et de fraîcheur. Nous avons sélectionné des couleurs douces qui savent flatter les visages, des textures fondantes qui réfléchissent la lumière, des produits malins qui distillent l'éclat nécessaire pour rayonner malgré la grisaille. Quelle chance! Ils ont une page Facebook également, il faudra que je regarde. Donc voilà, il fait une tempête, je vous le dis pas, il y a tout qui vole là devant. C'est l'horreur. Alors moi j'ai vu des personnes, par contre je suis un peu déçue, c'est pour le bijou. Ils avaient reçu un bijou en forme de... Ça faisait comme des petits médaillons, c'était un doré je crois. Mais ça faisait comme des petits médaillons au ras de cou, il était trop beau. Et moi j'ai eu que celui-ci, c'est marqué Lucky. Mais bon, tant pis, le reste je suis contente. Par le bijou, mais bon. Ensuite, on a reçu la Nude Magic Baby Blush. Par contre, je trouve que c'est des petits packaging, c'est pas les full size. Mais bon, la box, elle est à 12,50 avec 3 euros de frais de port, elle est quand même pas très chère. 15 ml, et puis ça, on n'en a pas besoin de beaucoup, de toute façon. On a reçu un Eye Lead Pencil, donc un crayon pour les yeux ou les lèvres. Je ne saurais pas définir la couleur, mais comme ceci. J'hésite entre le marron et le violet marronné. Vous voyez? J'ai eu un Baby Lips. Alors dans mon action, je n'ai pas trouvé de Baby Lips. Et là, je vais pouvoir tester. Il paraît qu'il est bien celui-là. Lutteur d'hydratation. 8, je veux parler trop vite. 8 heures d'hydratation, c'est le à nouveau. Comme ceci. Quand j'aurai fini mes deux baumes que j'utilise, j'utiliserai celui-ci. J'ai eu un vernis ici. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on reçoit tous la même chose, sauf celui-ci. Moi, j'ai reçu celui-ci, le bijou. Il est un peu moins beau que celui avec les médailles, mais bon. Le make-up, on a tous pareil, tous les mêmes teintes. Et je trouve ça super cool. Donc la teinte c'est le 337 et c'est un abricot tout doux, très léger, super joli. Et on a L'Oréal, je ne sais pas dire la référence, je vais vous faire un swatch. C'est pareil, c'est un packaging un peu plus petit que le normal, mais bon, ça me dérange pas. Hein. Voilà, super pigmenté. Le truc, par contre, il s'est décollé. Il faudrait que je mette un bois de colle. Voilà, super lumineux. J'espère que vous verrez. Parce que, comme je vous dis,
comme je vous ai dit dans une autre vidéo, j'arrive pas à faire les réglages de ma caméra parce que la mode d'emploi elle n'est pas en français. Donc j'espère que vous verrez quand même. Donc ça, je vais remettre un peu de colle à l'intérieur. Elle est super beau, franchement. Un vernis ici, un baby lips, un crayon yeux ou lèvres, ou comme vous voulez. Ceci, qu'il n'en faut pas beaucoup, donc il y en a assez. Et le petit bijou. Donc je suis ravie de cette box. Et je suis pressée de recevoir la prochaine du mois de décembre. Voilà les filles, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous.